Yo, reçois por favor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je tiens à féliciter toutes les personnes qui me suivent depuis le début et toutes les personnes qui m'encouragent dans tout ce que je fais. Donc, pour remercier ces différentes personnes, j'ai dû encore plus créer des outils et astuces qui vont les permettre de pouvoir atteindre le résultat dans leur vie de beatmaker ou dans leur vie financière. Voilà, donc avant de te proposer ce que je vais t'offrir aujourd'hui, qui suis-je réellement? Voilà, donc il y a 3 ans, lorsque j'ai lancé le beatmaking, j'avais juste quelques notions sur le logiciel FL Studio. J'avais la version 10 du logiciel FL Studio et j'ai commencé à faire quelques instrumentales. Mais premier problème, et c'est le même problème que les personnes qui me contactent généralement me disent. Ils me disent toujours, Paul Favor, les gens qui ont écouté mon instrumental ne sont pas satisfaits. Mon entourage me dit que je suis nul, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mon entourage me dit, la musique c'est pas pour toi, tu pourras jamais être un beatmaker professionnel. J'ai eu aussi ces mêmes phrases là tous les jours, tout simplement parce que dès lors que je faisais des petites instrumentales, j'essayais de montrer à mes différents proches. Et ces proches, naturellement, ils n'aimaient pas mes instrumentales, ils ne m'encourageaient pas du tout. Voilà, donc, et du coup, je me suis dit, le beatmaking qui était une passion pour moi, peut-être je n'avais pas d'avenir dans le beatmaking. Mais dès lors que j'ai essayé de poster les différentes instrumentales que j'ai fait sur YouTube, tu peux regarder ma chaîne YouTube, Paul Favor Beat Production. Il y a des premiers instrumentales que j'ai postées, c'était des instrumentales très simples, assez basiques. Mais il y a des personnes qui étaient déjà intéressées. Et automatiquement, je me suis dit, ok, pourquoi mon entourage n'arrive pas à apprécier mon travail? Et pourtant, il y a des personnes de l'autre côté du monde qui sont intéressées par mon travail. Et du coup, ça m'a donné la motivation. Des gens m'ont écrit en commentaire, fais plus de vidéos, nous, ça nous intéresse. Voilà, donc, et du coup, je me suis personnalisé. J'ai contacté des beatmakers assez professionnels à qui j'ai payé des sommes vraiment énormes pour avoir les meilleurs conseils et les meilleurs logiciels. Donc, et grâce à un beatmaker, que je ne vais pas citer le nom ici, j'ai réussi à avoir le logiciel FL Studio version 11 complète. Et j'ai commencé à bosser là-dessus. Il m'a partagé ses VST, il m'a partagé ses packs, il m'a partagé plein d'astuces et conseils. C'était il y a 2 ans et demi de cela. J'ai commencé à m'améliorer. Voilà, donc et ensuite, j'ai écouté plein d'instrumentales de DJ Arafat. Et je me suis dit, ok, tel instrumental, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça dans tel VST. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Et puis, j'ai reproduit exactement tous les différents sons de DJ Arafat que tu as vu sur ma chaîne YouTube. Donc, assez facilement, grâce au VST assez professionnel que j'ai reçu du beatmaker professionnel que j'avais contacté, j'ai réussi très rapidement à m'améliorer. Et grâce à ça, j'ai pu faire des séries de vidéos associées aux instrumentales et aux sons de DJ Arafat. Ça a intéressé pas mal de monde. J'ai fait des vidéos à plus de 50 000 vues. Des personnes étaient intéressées, des personnes m'ont contacté. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, comment je peux faire pour pouvoir monétiser tout ça? Parce que à cette époque-là, je vivais encore chez mes parents. J'étais dans la chambre de mon père. J'étais complètement dépendant. J'attendais l'argent de poche pratiquement près de 50 € par mois pour pouvoir survivre à mes petits besoins. Voilà, donc c'est toutes ces différentes choses qui m'ont motivé et qui m'ont fait dire, ok, faut que je sois indépendant financièrement, faut que j'ai mon propre chez moi, faut que je puisse survivre à mes propres besoins. Donc, et du coup, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai découvert un entrepreneur sur YouTube qui m'a appris pas mal de choses. Grâce à lui, j'ai compris qu'en fait, la monétisation classique de YouTube qui est basée sur les vues ne vaut rien comparé à ce que je vais te présenter actuellement. Supposons que tu es un beatmaker aujourd'hui et que, en plus de la vente d'instrumental, tu as envie de vivre aussi de ta chaîne YouTube. Quelles sont les éventuelles possibilités qui vont te venir à l'esprit? Première éventuelle possibilité, c'est que tu vas te dire, ok, j'entends des gens dire que plus tu as les vues sur YouTube, YouTube te paye. Je tiens à mentionner que cette stratégie-là, je l'ai moi-même testée et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes en relation avec ça parce qu'il y a des droits d'auteur. Si tu prends une vidéo qui ne t'appartient pas et que tu la postes, automatiquement, tu ne peux pas monétiser cette vidéo. Ça, c'est d'un. Et de deux, la rentabilité est très faible comparé à la deuxième possibilité que je vais te présenter. Car j'avais constaté que environ 1000 vues te donnaient aux environs de 1 $. Donc, ça veut dire que si tu veux faire 10 $, il va falloir que tu fasses 10 000 vues. Et ensuite, si tu veux avoir 50 $, il va falloir que tu fasses 50 000 vues. Tu vois que c'est pas facile lorsque tu démarres YouTube de faire 50 000 vues d'un coup. Or, l'entrepreneur que j'ai découvert et que par la suite j'ai acheté une formation chez lui, grâce à lui, j'ai compris qu'en fait,
En essayant d'intégrer des produits numériques à des personnes qui te suivent, il est assez facile pour toi de pouvoir monétiser ta chaîne YouTube. Je te prends un exemple. Suppose que toi aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube et que tu réussis à attirer 50 personnes sur une vidéo tutoriel. Et maintenant, à la fin de la vidéo tutoriel, tu incites les gens à télécharger un produit gratuit. Automatiquement, ces différentes personnes vont être intéressées en fonction du contenu que tu as partagé dans la vidéo. Ils vont sans doute aller s'inscrire dans ton formulaire pour recevoir ton produit gratuit. Donc, sur les 50 personnes qui ont vu la vidéo, tu réussis à convertir 10 personnes. Ton tunnel de vente, 10 personnes se sont inscrites pour télécharger ton produit gratuit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Suppose que parmi ces 10 personnes, par la suite, tu les proposes de t'acheter une suite de vidéos qui va leur permettre de pouvoir atteindre un objectif précis suivant tes différents objectifs. Automatiquement, tu vas comprendre que si tu vends cette série de vidéos, on va dire 50 euros par exemple, et que tu fais 5 ventes, ça veut dire que là, tu fais 5 fois 50, ce qui te fait 250 euros en une seule semaine avec une vidéo qui a fait 50 vues sur YouTube en une semaine. Donc tu vois que la deuxième semaine, tu fais encore 50 vues, tu fais 50 euros, et en 4 semaines, tu te retrouves en train de faire, qui veut dire un mois, tu te retrouves en train de faire 250 euros fois 4, ce qui te fait environ 1000 euros par mois avec ta chaîne YouTube, partant de rien du tout avec un produit à 50 euros. Donc cette stratégie m'a permis aujourd'hui de vivre intégralement de ma chaîne YouTube et d'implémenter ça dans une autre chaîne YouTube dans laquelle j'apprends à des personnes à créer des sites web et à se créer une certaine valeur d'entreprise en tant qu'entrepreneur. Donc, et grâce à ça aujourd'hui, j'ai quitté la chambre de mes parents. Je vis actuellement dans un appartement qui me prend environ 400 euros par mois. Et grâce à tout le système de vente que j'ai créé sur Internet, je réussis très facilement à gérer mes charges fixes de chaque mois. Voilà, donc tout ceci pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, après être passé du beatmaker semi-amateur à beatmaker semi-professionnel, il est déjà possible pour toi de pouvoir facilement rentabiliser ça grâce à une série d'opérations que tu dois impérativement mettre en place. Et donc, si toi aujourd'hui, qui suis Paul Favor depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tu as envie aussi de pouvoir atteindre les 1000 euros, ainsi de suite, 1500 euros, 2000 euros par mois avec ta chaîne YouTube de beatmaker. Je t'invite tout simplement à suivre ces deux offres que je vais te présenter aujourd'hui. Voilà, donc la première offre, c'est que grâce à la série de vidéos que je vais t'offrir après cette vidéo, tu vas pouvoir maintenant comprendre comment composer les instrumentales partant de rien du tout, avoir les VST et avoir les outils et instruments qu'il te faut pour pouvoir faire les instruments qui sont typiques commerciaux, qui sont actuellement à la mode et qui sont achetés par plein d'artistes qui sont sur le marché actuellement. Donc ensuite, après avoir vu comment composer plusieurs styles d'instrumentales, je vais encore t'offrir des séries de vidéos sur le mix et le mastering. Donc je vais t'apprendre comment travailler tes instrumentales, améliorer tes sonorités. Je vais t'apprendre comment tu pourras assez facilement avoir un meilleur rendu pour que des personnes qui écoutent ton instrumental directement, ils se disent « ce gars, il est professionnel ». Voilà, donc et ensuite, la troisième étape de la première offre, c'est que grâce à cette série de vidéos, je t'offre encore une autre série de vidéos qui te permet de pouvoir te créer un réel business sur Internet. Comprendre comment tu pourras faire pour pouvoir te créer un site web. Comprendre comment tu pourras faire pour pouvoir te créer des pages de capture d'email, des pages de vente de produits, te créer tes différents produits, quelle plateforme tu dois utiliser, quel site web tu vas utiliser. J'ai filmé mon écran, je te montre, va sur tel site web, je t'explique terre à terre comment faire pour pouvoir te créer tes différents comptes sur ces différentes plateformes. Voilà, donc ça c'est la première offre que je t'offre aujourd'hui qui va te permettre de pouvoir être assez complet comme Paul Favor et atteindre des revenus assez intéressants et attirer plein de personnes sur ta chaîne YouTube. Voilà, donc maintenant, deuxième volet. Pour les personnes qui ne veulent pas avoir des séries de vidéos, disent que c'est beaucoup, qu'est-ce que moi j'offre actuellement aujourd'hui? Je t'offre la possibilité aussi de pouvoir avoir uniquement mes instruments. Quand je dis mes instruments, c'est mes différents packs son, packs d'instruments africains, mes différents packs MIDI, mes différents packs de sample, mes différents logiciels que j'utilise pour pouvoir faire des traitements de voix, pour pouvoir faire des traitements de mix mastering. Je t'offre aussi en deuxième volet ce pack là. Donc si toi aujourd'hui tu as réellement envie que d'ici quelques jours, quelques semaines, tu puisses te dire ok, grâce à Paul Favor, j'ai réussi à pouvoir passer de ça à ça. Je t'invite tout simplement à cliquer et à profiter de l'offre car l'offre n'est valable. Tu sais que généralement quand je lance mes offres, c'est 24 heures uniquement et après j'annule l'offre. Donc l'offre est valable uniquement pendant 24 heures et après ça, plus personne ne pourra profiter de l'offre. Ok, donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, partage la vidéo au maximum. Tu as 24 heures pour tester le produit.
mes produits sont toujours de haute valeur. Les personnes qui ont eu à télécharger mes formations gratuites ont apprécié. Et toutes les personnes qui ont eu à intégrer mes formations beaucoup plus avancées sont également en train d'apprécier et me félicitent pratiquement tous les jours. Si c'est un seul mot, passez au maximum à l'action. Car pas d'action, pas de résultat. Ciao.